Good morning, Aleïda Nelsur, aujourd'hui le Nishmat, Richard Aaron Ben Fortune Mazal et Claude Israël Ben Fortune Mazal. Si vous souhaitez, vous aussi, donner notre prochaine étude de Mishnah contactée les 5 minutes éternelles. Nous étions à Masechet Shkalim par Exaïn Mishnah Zayin. Al Hamelach, Ve'al Ha'etzim, Sheyu Akohanim Ne'otim Ba'em, Ve'al Ha'para, Sheleu Yiyu Mo'alin Be'efra, Ve'al Ha'kinin Absulot, Sheyu Ba'ot Mishel Tzibur. Rabbi Yossi Omer, Amesapek et Atkinin, Mesapek et Absulot. On avait vu dans la Mishnah précédente, on avait introduit dans la Mishnah précédente, Rabbi Shimon nous avait dit 7 choses que le Bet Din avait décrétées pour, concernant la Trumat, la caisse, la Dishka. À savoir, petite précision d'abord de manière générale, pour tous les. Vous avez déjà sûrement entendu parler du principe de Shiva Tuve Aïr. Chaque caisse publique, alors on nommait en fait des délégués. Il y avait 7 personnes qui décidaient de la caisse publique. Qu'est-ce qu'on fait pour prendre toutes sortes de décisions publiques, parfois en dirigeant même des Kaspé Hekdesh, de l'argent qui appartient à Hekdesh, gérer une caisse de Tzaka, une caisse, une trésorerie d'une synagogue, des différents dons qu'on a fait, quand vendre la synagogue pour aller en acheter une autre. Tout était prié par décision. Il y avait des délégués spéciaux, ça s'appelait les Touvé Aïr, les Shiva Touvé Aïr. Ça, c'est de manière générale. Même le Bet Amigdash, la caisse du Bet Amigdash, les caisses qu'on apprend dans toute Masechet Shkalim, elles étaient aussi dirigées, gérées par des délégués, un Bet Din, qui s'occupait de, selon le cas, on décidait de faire une petite exception à la règle, d'essayer d'insister plus, de permettre. Donc du coup, on avait vu que pour le bien du, le bon déroulement, la bonne gestion du peuple, il a fallu décréter que l'argent, même si l'argent est Hekdesh, il appartient à Trumat Lishka, il appartient à la Lishka. Malgré tout, il y a certains frais à couvrir pour éviter certaines situations de problème. Ils avaient la capacité, la force de décréter ainsi. Et on a vu dans la Mishnah précédente, il y avait, je crois, 3 cas déjà qui ont été évoqués. On avait rapporté par exemple l'histoire des Nesachim, d'un Goy qui envoie une Ola, qu'on la couvrira avec la caisse publique. Et de nouveau, alors, on continue maintenant avec Al-Hamelach. Ils ont fait aussi un décret que le sel et les bois, les Kohanim pourront en tirer profit. C'est quoi le sel et les bois et qu'est-ce que les Kohanim veulent en tirer profit? 2 choses. Il y a, c'est compté comme un, même si c'est 2 choses différentes, mais il y avait les Kohanim tout d'abord, on va commencer avec le sel. Les Kohanim, ils devaient manger au Bet HaMikdash, ils devaient manger les viandes des Korbanot dans la même journée. C'est on apporte un korban khatat, ils avaient jusqu'au lendemain matin pour manger durant la nuit, la viande se la partageait entre eux et la consommait. La capara du korban, elle passait ainsi, il fallait qu'ils mangent. Maintenant, pour pouvoir manger, alors la Torah insiste même qu'il faut les manger avec beaucoup de kavod et de repas copieux et agréables, ne pas la manger comme une viande cuite comme ça à la va-vite, mais la faire bien comme il faut, et qui moshratam. Je crois que c'est dit dans le. Les moshra, c'est écrit dans le pasuk, c'est un signe de distinction. Du coup, pour manger la viande, il fallait du sel, il fallait plus que ça, il fallait même, c'était même bien de se la faire avec, s'il fallait apporter des légumes avec pour la manger avec, pour la manger de manière qualité, de qualité et honorable, faire un beau repas avec. Alors la Mishnah me dit, selon la nécessité, s'ils avaient besoin de sel, en théorie, lorsqu'ils mangent, c'est pour son profit personnel, ça ne devait pas être couvert par les frais de la Trumat Lishka. Ça devait, en théorie, être couvert plutôt par les frais des Kohanim eux-mêmes. C'est toi qui veux manger une bonne viande salée. Ben non. Rami m'a fait un décret que tu pourras utiliser le sel, si nécessaire, utiliser le sel du Bet HaMikdash. D'accord? Pour manger ta viande. Mais attention, si tu as besoin du sel pour manger la salade que tu as prévu de manger avec la viande, là, tu n'as plus le droit. D'accord? Les Etzim, de nouveau, alors on parle cette fois-ci du rapport, cette fois-ci, c'est qui en parlait? Qui a parlé? C'était le reportant du Rochalmi, le Melech Shlomo qui nous rapporte. Qu'on parle, il y avait dans le Bet HaMoked, les Kohanim, ils marchaient pieds nus au Bet HaMikdash sur du marbre, des fois il faisait froid. Ils avaient une petite salle qui s'appelait le Bet HaMoked, où là-bas il y avait un feu qui brûlait constamment. Et ils partaient là-bas se réchauffer un petit peu. Une fois qu'ils étaient réchauffés, ils repartaient faire la voda. Le Bet HaMoked, il y avait besoin de bois. En théorie, c'est pour le bien-être des Kohanim, ça devait être couvert par la caisse des Kohanim, qui payent eux de leur poche. Ben non, on leur couvre les frais, puisque ça concerne l'entretien du Bet HaMikdash, on leur fait ce petit plus, on leur donne. D'accord?
Autre chose, vers la para Sheloiyu Moalin Be'efra. Ils ont aussi décrété qu'il n'y aura pas d'interdit de Meïla dans les cendres de la para Adouma. Alors là, je suis très étonné par ce qu'il y a écrit, mais en tout cas, en fait, la para Adouma, tout d'abord, la cendre de la para Adouma, même si la Torah l'appelait Khatat, comme on le verra dans la parasha de Shavua d'ailleurs, qu'elle s'appelle Khatat. Et en théorie, elle devrait avoir une certaine Kedusha. Malgré tout, il n'y a pas d'interdit de Meïla selon la Torah. Maintenant, selon tel qui rapporte tout le Mefarshim, ça pose un Agmar en fait, disons Shalmi, qu'il y a eu, les gens se permettaient d'utiliser cette cendre à toutes sortes d'utilités pas conformes avec la Kedusha de la para. Par exemple, à l'époque, pour soigner une blessure, ils avaient l'usage de prendre de la cendre et de l'étaler sur la blessure, apparemment ça a aidé à coaguler et à refermer la blessure, vraisemblablement. Et bien, la Mishnah m'enseigne que... donc, la Gemara rapporte qu'ils utilisaient des fois même la cendre de la para Adouma pour faire une chose pareille. Quelque chose d'étonnant, comment on peut oser faire une chose pareille. Nous, on rêve de l'avoir pour se purifier. Eux, ils l'utilisaient pour se l'étaler. En tout cas, suite à cet incident, on a mis enfin décret que celui qui utilise la cendre de la para Adouma, il transgresse l'interdit de Meïla. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont commencé à prendre trop peur de la cendre de la para Adouma, et ils ont commencé à s'écarter complètement de la para Adouma, ne plus du tout se purifier avec elle. Du coup, Khamim ont annulé. Alors, la Mishnah vient me dire, sache que Khamim ont annulé l'interdit de Meïla qu'ils avaient initialement décrété. D'accord? Meïla, c'est le sacrilège, le fait d'utiliser quelque chose qui est kadosh, à ses profits personnels. Autre exception, comment dire, dérogation qu'ils ont fait Khamim pour utiliser l'argent de la Troumata Lishka. Balakinin Absulot chez Yubaot Michel Tzibour. Les kinin, le fameux sujet qu'on a déjà évoqué plusieurs fois ces derniers temps, la Sechet Kinin d'ailleurs, on avait vu, les paires de pigeons qu'il fallait apporter pour ce certain cas de purification, pour une femme qui a accouché, pour le Metzora, le Zav. Il y avait dans certaines situations, il devait apporter des kinim, une paire d'oiseaux, un qui était un khatat, un qui était une ola. C'est pour pouvoir, ils avaient instauré maintenant, il y avait un chauffard spécial qui était sur le kinim, que si j'ai un devoir d'apporter des kinim, je viens, je ne me soucie pas, moi, d'amener des pigeons, le donner à Cohen. Je viens, je mets l'argent dans la caisse, après, à un moment donné, on ouvre la caisse, on regarde combien d'argent, on va acheter directement des kinim. Ce qui s'est passé, c'est que maintenant, s'il y a eu de l'argent qui s'est perdu en route, le Cohen sait pertinemment qu'il a perdu de l'argent. Le Cohen qui a ouvert la boîte, il avait vu qu'il y avait de quoi acheter 25 kinim, 25 paires. Donc il y avait 25 personnes qui ont eu de l'argent pour se faire la capara aujourd'hui. Après, on a eu un problème, on en a perdu 2, 3, 4, 5. On aurait dit qu'il n'en reste plus que 20. De quoi acheter 20 paires. Or, on sait qu'il y avait 25. Vous imaginez la catastrophe. Les gens qui ont mis leur argent, ils sont persuadés qu'ils ont apporté leur korban. Maintenant, leur korban, il est nécessaire pour pouvoir entrer dans la Hazara, Bichlal, même dans certaines situations, c'est ce qui va conclure leur kapara et leur purification. Si tu leur fais pas le korban alors qu'ils croient qu'ils ont fait le korban, ils vont se mettre à rentrer dans la Hazara, à transgresser des graves interdits, ils vont se mettre à manger de la viande qui est kadosh, alors qu'ils n'ont pas le droit de manger parce qu'ils n'ont pas encore fait le korbanot. Ça s'appelle des mechusare kippurim. Donc il n'est pas question de laisser les paires de kinim, de pigeons manquants. Il va falloir les compléter. Ou encore, on a acheté 25, et puis après, une fois qu'on a acheté 25, on réalise qu'il y en a un qui s'est blessé, qui lui manque, il s'est coupé une patte. Il a une patte en moins. Du coup, c'est un défaut dans les animaux. On ne pourra plus le faire. Il va falloir acheter un nouveau ken, au moins un nouveau pigeon. Au frais de qui on le paye. En théorie, il n'y a aucune raison que ce soit la caisse du Beth-Amigdash qui le couvre. Seulement, l'embûche, elle est tellement grande que Khamim, enfin décret, on va le payer avec la caisse du Beth-Amigdash. D'accord? Ça, c'est le premier avis de la Mishnah. Rabbi aussi Omer, un Mesapek est Akinin, Mesapek est Absolot. Rabbi aussi dit non. Celui qui fournit, le fournisseur des oiseaux, c'est lui qui va fournir aussi les substitutions des psoulotes. C'est-à-dire, on a déjà évoqué ce fournisseur, ils avaient des conditions assez draconiennes. Alors qu'à notre époque, lorsqu'on travaille avec le gouvernement et tout ça, c'est une occasion de faire des tournements de fonds, de prendre des prix exorbitants pour n'importe quel petit service, pour ceux qui connaissent bien comment ça se passe. Chez eux, c'était pas du tout comme ça. Celui qui fournissait, c'était un engagement très sérieux, parce qu'il fallait qu'il veille à la caisse du Beth-Amigdash. Il pouvait fixer son prix pour vivre correctement quand même. Mais en tout cas, hein, il devait en contrepartie aussi assurer toutes sortes de pertes. En l'occurrence, on l'a déjà vu plus haut,
Maintenant, on le retrouve de nouveau ici. Que lorsque je fournis des kinim, je fournis par exemple des oiseaux pour offrir des korbanot. Lorsque on fournit les oblations et on fournit toutes sortes de vins et tout ça, eh bien, je ne reçois mon argent qu'une fois que le korban il a été offert. C'était évoqué plus haut. Selon le même principe, lorsque je vais donner des kinim au Beth Amikdash, je vais leur donner des 25 paires d'oiseaux, par exemple, pour qu'ils offrent un korban. Alors, je ne serai apte à recevoir mon argent qu'une fois que le korban il va monter. Or, si le korban il a perdu une patte, si l'oiseau il a perdu une patte en route, par exemple, il n'est plus apte à monter en korban, alors dans ce cas-là, la responsabilité, la garantie, elle est sur moi. Et c'est moi qui vais devoir le redonner au Beth Amikdash. C'est-à-dire, toi, Tanakama, tu m'as dit que lorsqu'il y a un kan pasoul, lorsqu'il y a un nid, lorsqu'il y a une paire d'oiseaux qui a eu un psoul, que c'est la caisse publique du Beth Amikdash qui va couvrir cette perte. Moi, je te dis non, c'est pas le Beth Amikdash qui va couvrir cette perte, c'est le fournisseur qui va couvrir sa perte. Et là, la halakha est établie comme Rabbi aussi, comme nous le rapporte le Partenora. Et c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine, à Tzlacha Kol Tov, ça va.